Paris et Moscou ont finalement trouvé un accord sur le remboursement des deux bâtiments militaires non livrés. La Russie sera intégralement remboursée des sommes avancées pour l'achat des deux navires. La France, qui avait suspendu la livraison en raison de la crise ukrainienne, en récupère la pleine propriété. Ces deux bateaux devaient porter des noms russes, le Sébastopol et le Vladivostok. Mais ces navires de guerre n'iront jamais en Russie. Ils restent pour l'instant dans le port de Saint-Nazaire. Moscou n'aura pas ses joujoux et la France, elle va perdre de l'argent, même si elle parvient à les revendre. C'est la fin d'un conflit, en tout cas, qui aura duré 8 mois.